الزول في الاول مرحبا يسوان السلام عليكم سي ما كان فوغام هذا الميغرا سي لا كوتيديان باش نتنوا راه نهضر بيان سور ف ما بلوس بارلي دي دي ماتش يضلي بيسكو انا فيو لو ماتش اميكال تبع الله جاز كونتر ليكيب نقسنطينا لو ماتش لو بروميي ماتش ديال النوفو ستاد تيزي وزو كي فا بورتي لو نون ايت احمد اون ا ديجا بارلي جو بونس دو سا اي مود دو ديسمبر جانفي et du match de l'équipe nationale, la victoire de l'équipe nationale contre l'équipe Loganda. Donc c'est une quotidienne en mode de débrief des trois matchs. Même si à la fin, il y aura le naming dans le stade à Guinée. Et que, on va dire un petit peu un mot, même si on l'a dit déjà, mais on va le répéter une nouvelle fois. Donc, si tu veux liker, tu t'abonner à la chaîne. La quotidienne avec... comme d'habitude et comme toujours, la quotidienne sponsorisée par OneXBet, premier site de paris sportifs en Afrique et l'île d'Azur. Le lien et le code promo via la description. La première chose faite chez c'est la victoire de l'équipe nationale contre l'équipe Loganda 2-1. Deux buts Namora, un doublé Namora qui marque une nouvelle fois, un joueur qui marque tous ses buts, il marque un coup de but, il va rendre à l'extérieur. C'est Amora, je pense que c'est un joueur fait fin, Haliburton, et que Nenad Bley, c'est un joueur qui doit jouer. Voilà, ça fait longtemps qu'il est dans le car, ça fait longtemps que tout le monde, tout ce qui suivent l'équipe nationale, qu'il soit pour Belmadi, contre Belmadi, pour un joueur, contre un joueur, Zaranek Bley, Amora, il a du nouveau, du 109. De l'équipe nationale guinée. Et il faut que cette culture, blé un joueur, il a 20 ans, 19 ans, 18 ans, il a quasi disparu de l'équipe nationale et de les clubs. Et Amora, c'est l'exemple parfait qui enchaîne une nouvelle fois une performance, une top performance. Malat Warid, la chance, il boit rapidement Mahio, c'est la chance, il boit difficilement Amora alors qu'Amora l'a prouvé. Mahio, je sais pas ce qu'il fait, Dina, hein. Même si. Il y a des gens qui sont très loin des niveaux de l'équipe nationale et même du niveau Namora, si on peut parler que du niveau de concurrence Iglen. À part les premières minutes d'Awar, on n'a pas beaucoup vu Awar dans le match à Guinée. Le joueur qu'on a vu, c'est Abdelé, joueur d'Angers, qui a fait un très bon match. La rentrée d'Abdelé, elle a été assez bonne, la titularisation à Inès. On a vu Ben Sbaïni, des antiques, jouer des lax. Il y a des retouches qui sont faites. Que ce soit sur le volet tactique, schéma tactique. Mais à l'écoulé, les conclusions, on est dans une zone. Il y a même une analyse l'Algérie contre le Niger. Un mal au Ganda voilà le retour. L'Algérie, c'est la cinquième victoire sur cinq matchs. Je pense pas qu'on peut, même si nous a rappelé les matchs en coupe, les matchs en Afrique face à n'importe quelle équipe sur la, c'est des matchs qui sont encore plus compliqués que il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Mais le jugement est couché divin en coupe d'Afrique. C'est-à-dire en coupe d'Afrique, Dina a jugé l'équipe à qui, Dina a jugé est-ce que cette équipe progresse, est-ce que cette équipe propose quelque chose, est-ce que cette équipe va. Et il y a un changement qui est fait, mais tu gagnes les éliminatoires, tu encaisses 2 buts sur 6 matchs, et quand tu sors dans la Coupe d'Afrique, tu dois le premier tour, il y a un problème. Vraiment, en Coupe d'Afrique, on enchaîne, on va en demi-finale, en finale, oui, donc le jugement de l'équipe, on va le juger sur la Coupe d'Afrique, sur la compétition. Après, il y a des choses qui peuvent être bonnes. Il y a des choses qui peuvent être bonnes. Il y a des choses qui peuvent être dans les buts. Mais je crois que c'est dans les matchs décisifs qu'il y a des choses. Voilà. Après, il y a des choses qui peuvent être bonnes. Il y a des choses qui peuvent être bonnes. L'équipe de CSC, premier match amical. Une défaite 1-0 contre le CSC. Je pense que le résultat ne compte pas vraiment. Côté résultat, le résultat, je pense que ce n'est pas la chose la plus importante à retenir dès les matchs à gagner. Parce que c'est un match pour beaucoup plus garder le rythme. Il faut juste que le rappeler. Parce que maintenant, le résultat, il faut juste le rappeler. Dès le début de saison, on a un match amical contre l'équipe à gagner CSC. Où il y a l'Algérie 1-0. Où le but est marqué de Ben Zaha.
Est-ce que c'est dans un autre univers là où c'est né et que dans la saison le premier match en live contre la CSN était 1-0. Donc les matchs amicaux il faut pas tenir compte des résultats, il faut pas matcher 1-0, ça veut dire non. Les matchs amicaux et Guinée aident pour le rythme. Premièrement pour garder le rythme, garder la forme des joueurs et on tue les gens pour aider dans n'importe quel entraîneur, même si c'est les entraîneurs qui aident à faire des leads, c'est-à-dire que les entraîneurs avaient fait les places africaines et tout, mais les équipes avaient fait le maintien, soit il faut maintenir le rythme, comme on le connaît, parce qu'on tue les gens pour aider, il va faire des changements tactiques, comme il fait la structure initiale, et voilà. Donc, c'est pas le résultat qui compte, mais il faut enchaîner d'autres matchs. Les matchs amicaux, des stages à gagner des Zaire. Et on va voir CSC, c'était un adversaire, voilà, vraiment un adversaire potentiel. Et on l'a vu, c'est un très très bon adversaire. Parce que c'est une équipe qui va te pousser dans les limites tactiques. C'est une équipe qui lève un ballon à Z, ce n'est pas une équipe qui défend. Et voilà, peut-être encore plus l'adaptation à travers la GSK, les difficultés, mais peut-être des équipes comme Guinée. Parlez-nous d'une équipe comme Chlef, qui joue la blessure, une autre bonne équipe, qui la vente, mais Chlef, ils vont jouer la Coupe d'Algérie le 22 et Guinée. Il y aura d'autres équipes, il y aura d'autres matchs amicaux. Et voilà, malgré que Mazel Khelan et la programmation à Guinée, malheureusement. Elle détruit un petit peu tout ce qui est fait par tous les clubs et généralement on verra les 5 premières prochaines journées tout la veine. Malheureusement ça serait peut-être logique d'avant un Walid est blessé, un Walid est blessé puisque des joueurs elle est au top elle doit être sur ben pas doit enchaîner 5 matchs les joueurs là ils venaient quand enchaîner 5 matchs donc il y aura des blessés. Pour ça il faut préparer à Kenelakal les matchs à gagner et le temps à gagner, la trêve à gagner. Après, l'événement, c'est le match, le premier match que tu as vu, le stade Tizi Ouzou, le nouveau stade, quand la réserve, l'équipe Nbiskra, une victoire 3-1, le premier but du stade a gagné Market Akhrib. C'est quand même l'architecture, la structure, la pelouse, c'est quand même un chef-d'œuvre de Stade Guinée, on le savait, Nazarat Eshalou et Guinée. La question qu'on a posée, c'était on attendait que le match Guinée soit télévisé, mais finalement il n'a pas été télévisé. C'est un match test, donc prochainement il y a un autre match qui sera encore plus annoncé. L'ouverture de Stade Guinée, c'est la date, ça sera le 5 juillet. Donc le 5 juillet, ça va être ouvert par la présence du président de la République. C'est pas officiel, officiel, officiel. Mais le 5 juillet, ça va être l'ouverture du stade de Guinée. C'est quand même le Hadja et Norjash Halouya Guinée. Et c'est voilà un Badawaros, malgré tout que Mazel, je pense. Mais Maren Welling, le décalage est tout des choses à Guinée, c'est que pas trop la qualité du stade, l'MCO. Sont en train de faire des stades minutes à faire des nattes l'année prochaine. Le CSC est là des Hamlaoui. Une équipe Mouloudia Douira, possiblement Douira. L'Usman à CRB Barakin à 5 juillet. Imaginons que ce soit un match stade de Negerli, c'est exceptionnel, le gazon et tout. L'atmosphère est là dans le stade de Guinée et que tu fasses tu as de l'avant il s'aura des stades ni plus cher mais il arrive à des stades ni l'arrive à un autre dans le Megalana tu as dans le Bill tu as dans le stade ni c'est quand même il y a un décalage il y a encore mieux des championnats et ça pourra avantager des équipes à être recevées dans des stades pourris à mes connaissances, à ma soirée 20 août, la 1er novembre, c'est des stades pourris, moussaines les stades de Guinée, comparaison à la stade de Guinée et tout. Donc, tu vois, ça peut fausser le jeu. Parce que ma soirée dans le match du gazon, à côté de ma soirée dans le match du tartan, c'est pas la même chose. Dans le match du gazon, il y a quelque chose, il y a une vitesse, il y a du rythme, il y a du jeu, il y a l'air. Mais ma soirée dans le match du tartan,
C'est mort, c'est vraiment mort. Et nous, les équipes ne proposent rien du tout. Ne proposent rien du tout. Donc, ça, c'est une question qu'il a quand même posée. Il faut que, il faut que les équipes, les équipes comme Sawara, il a créé les stades. Il a chaque région, maintenant dans la région, il a créé un stade qui pourra quand même faire respirer la zone d'une équipe. Maintenant, l'équipe de Yulin, je sais pas qui nous a des équipes. Sérieusement, où ça a des stades. Ben, on ne sait pas. Donc, le décalage à Guinée, il se met à revoir. Après, imaginons un stade d'Amina, il va avantager le jeu. Tu vois, par l'extérieur, c'est Guinée, c'est surprenant, c'est surprenant. Il faut, à Kégui, il faut aller vers un mini-championnat. Et ce championnat, elle met les équipes néerlandaises, ça les conditions. Mais les équipes néerlandaises, ça les conditions pour aller à un championnat 16 clubs. Tant qu'on sera à Stegui, on va aller à un championnat 12 clubs, 10 clubs. Voilà, on lave 10 clubs, on lave 20 journées. Mais ce qui va 20 journées, on lave les 5 premiers, les 4 premiers, les demi-finales, tac-tac, oui, le championnat. Voilà, un championnat, mi-championnat. Il sera beaucoup plus structuré, il a beaucoup plus de bons stades, des conditions qu'il a prises. Mais il y a le VAR. Tu ne peux pas le faire. Donc voilà. C'est des choses parce que le problème, c'est la planification. C'est qu'on ne planifie pas. C'est que tu ne veux pas faire un football, tu ne veux pas gérer, tu ne veux pas faire un gérer. Non. Il a qu'un planifié ou qu'on veut gérer. Un planifié ou qu'on veut l'être. Mais si on a fait un stade, après on a fait un stade, après on a fait un VAR. Si on a fait un stade, après on a fait un stade. On a fait un nouveau stade, après on a fait un stade. Non, il faut une feuille de route. Après, concernant toujours le nouveau stade à Guinée, le naming, ça a été beaucoup plus ou moins annoncé sur la fiche née et tout. Il va porter le nom Hussein et Hamed. Ce qu'on a annoncé il y a plusieurs mois tout l'air de fait. C'était pas une surprise puisque on s'arrête. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Depuis le début, même si il y a beaucoup de propositions et qui reste la plus grande proposition c'était le nom de Matoub, Matoub Younes. Bon, il y a le nom Aït Ahmed, donc on a aussi de gérer les deux à Guinée, même Ben Kassim, même Manarna Mouachrif, les noms à Guinée, c'est des noms qui méritent de figurer, figurer le stade à Guinée, même si je pense que le naming sportif a beaucoup plus de poids que le naming. Voilà. Et Ahmed et Namatoub, Ben Kassim et Hanashim auraient beaucoup plus de légitimité vis-à-vis du sport, hein. Pas vis-à-vis du côté culturel, c'est pour ça que les 4 noms et Guinée, ils sont légitimes à la tête du stade de Guinée. Bon, l'État Thivna, donc l'État a choisi Aït Ahmed. Mais c'est tout à fait logique, c'est légitime, c'est une grande personnalité, un homme révolutionnaire voilà, qui mérite que ce soit de Gadiaoui Smith à Kamia. Mais le problème, c'est le côté marketing qui est laissé de côté. On a toujours fait le marketing. Il a dit qu'il y a des marketing et des la communication. Il n'a pas dit que les clubs sont un retard vraiment terrible de la communication et du marketing. Maintenant, on n'a pas de marque de vêtements. Maintenant, on n'a pas de communication, c'est-à-dire que les clubs n'ont pas vraiment des chaînes, même des médias, des réseaux sociaux, que ce soit des chaînes YouTube, qui sont assez poussées de l'information. J'ai ce qu'on a dit à la radio, mais à la fin, ça a disparu. Les clubs, aucun club n'a de boutique. J'ai ce qu'il y a une période, ça a la boutique, mais une nouvelle fois, ça a disparu d'avant. Et de Guinée, on a dans les stades de Guinée, les équipes, le monde entier,
اسم الاستاد يسعى مليح لامبورتونس ايكونوميك. صدر كما تسمي هذا الاستاد في شركه سي فير ان سبونسورينغ لو نيمينغ غاتسخدم تستني ان كونترا لك ودي اونتربريز غاتسمي في الناس الاستاد ني اي سي فير هذا هو ريمان ما تواضي اسم الاستاد ما تواضي الاستاد ني صدق لا جي اسكاندال زرت باللي ما يفتح يتوي 50000 بلاس اي كو لوجيكمون لاند يورا بوكو دو ماتش دي شامبيونا اندر اي تشار ستاد غينيس اندر لي ماتش شوك اي تو الى وان دار اي تشار الى وان دار يوسا تشار انا سوسا سا جوتا في لوجيك مي يورا دو موند لا فيزيبيليتي لا جاس كان ولا تمك تجاد اون ايكيب اكس ايغلافنا في المانتيان تي في ايكيب ايغلافنا في التيت يا لا فيزيبيليتي دونك سي فير لي مارك ديسنت اي لا مارك الا ديال سانك تينين كتسمي غير يماني سمي ستاد غيني فا بورتي مون نو le stade je sais pas d'une telle entreprise cette fille elle va te il y aura un contrat de sponsoring elle est jihden mliḥ 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 on voit par exemple Barcelone fobla mi tghraq dir les dettes et le contrat ni snena ko Spotify pour Spotify compnou il s'est fini de mliḥ mliḥ il s'est fini de mliḥ mliḥ donc nous kni mazal nbaad mliḥ mliḥ dir marketing mazal nbaad mliḥ mliḥ dir développement du football là parce que le football le développement du football il ça a beaucoup d'étapes c'est-à-dire qu'il là où on danse maintenant on va faire le développement du football sur le volet tactique technique l'entraîneur les académies la formation il ça a le volet médiatique and il faut diffuser les matchs il a quand des chaînes sportives la clavard voilà côté informatique et tout et là qu'il y a un côté marketing c'est-à-dire que les clubs là ils vont développer ils vont ouvrir les clubs les produits les clubs matchs تيحونا دي فالات نيزنوزويان les produits les clubs فالات نيزنوزويان la contrefaçon à تنقص l'information à des sur les clubs c'est-à-dire que sur les médias sur internet et en ce qui est on est très très loin de beaucoup d'équipes de l'Afrique, Mathwara de Massar, Mathwara de Santek ou des chaînes, les Zamalek, les Ahli, Santek, des chaînes télé. Mais Rachid a gagné, Zouaran, Ahli, Vana, concurrence, l'Ahli, c'est les grands joueurs. Hadna, les grands joueurs. Non, l'Ahli, c'est le Wolfleck, les réseaux sociaux, c'est le Wolfleck, 10 millions d'abonnés, des pages Stromets, l'anglais, c'est le Wolfleck, les médias, c'est une chaîne télé, c'est le Wolfleck, la boutique, c'est des boutiques à côté de Massar, l'Ahli. رون فليكس لا فورماسيون تاع دي زاكاديمي رون فليكس خير لا دونك شنو ولي تروح ديريكت على لافان ولي بلاقي قد تنوض انت تاع فورماسيون بلي لا قد تخدم دون بوتيك تو ستركتوري كوم ايتون ان كلوب بروفيسيونيل ابري تو فا كونكورونسي دي كلوب فوا ماشي ديريكت ممكن ديريكت نروح نولي رواندا ونزميرا لا يفو ميتر لي بوين سو لي زي مي فوالا مشي دني شغل غيني مازال يبعد مازال اي يفون كومبروند دون بو طون يفون كومبروند بلي سا سالي اون اوبليغاسيون كو لي نون دي ستاد كي باغ اكزومبل لي نون دي ستاد كان اي دو ايتر رولي ان اوبجيكتيف ماركتينغ هذا كي تسمزو ابار بيان سور لانت دي زيكيب اون حوايج راه لانت دي زيكيب كي شحال خرا دائما لو ستاد دي رانت ما يشعو اسم دون بيرسون اوبليماتيك كي في ليستوار دو كلوب تروح بعد تفدل طنجي تو طافي لوجيك سوا مثل صعب ذايا انا تعرف تراه نوض اسم الاستاد ديالي برنابيو سانتيكو برنابيو سانتيكو برنابيو سي بيرسوناليتي مي سيت فيري دي كلوب كي اي لالمان باغ اكزومبل سكي في لا فورس دو شامبيونا دالماني اي دو لا دو لا ريوسيت ان شامبيونا لالماني اي دو لا سيرفي دي زيكيب اي دو مونك تو دي زيكيب لالمان سي رار ان دافا ديو تخشم دون اون كريز ايكونوميك même si le fait c'est pas un championnat d'attendre là les joueurs c'est un championnat de former de beaucoup de joueurs mais parce que les stades quand tu as force de naming c'est des marques de voitures des marques de des grandes entreprises de l'Allemagne qui subventionnent ça va voilà. Après le choix d'Ed Hamid nous connais c'était ce qu'on a annoncé depuis Chalou et Guinée et de nous voir Rawen et Denia c'était légitime c'est quelque chose de tout à fait logique après pour le marketing mais elle ne va pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à Rouen Chteguindi. Donne mes regards dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses, dans d'autres quotidiennes, à l'actualité. Je vous remercie de vous avoir regardé. Donne mes regards dans d'autres vidéos. Abdelhan Ouattine.